Et voici naturellement les dernières mascarilles à la mode. Oh, ça dit que c'est to be, oh non, to be. Pierre, ma puissance. Pierre, mon début. À la gonde. Quoi? Vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Par la douille. Et vous bardez souvent ici? Mais non, mon ami, ma palme, mon bison. J'espérais vous raviner, c'est pourquoi je suis bardé. Et je prie. Je crie tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet, dont elle était la mitaine de la parcelle. Vous? Oui, vous? Qui veniez faire ici? Le mascaré, le beau boudin noir, le solité. Pendant que moi, oh bien, je me ravaudais les balourdes à babiller mes pauvres tourteaux. Allez, alors, venez. Alors, c'est bien vous dire ça? Ce petit dame a un nom, bien plus appréciable avec le tout. Ce tour de ramener sur du cacha et des petites gloves de sparadrap de pierre. Quoi? Mais si ça compte? C'est bonne tulipe. Vous venez renflouer votre chère pitante. Mais comment êtes-vous en bardé? Eh bien oui, j'ai bredouillé dans... dans le garage après ma séance au Kevin. Je me suis dit, Irène est sûrement chez sa Paris. Je vais les suggérer tous les deux. C'est ça compte. Posez donc votre candidature, là, et prenez donc le galopin. Vous devez être vraiment caribou. Oui, vraiment caribou. Le sommelier s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé. Gagner des boulettes à plein fond, je me demande de me suivre sous son breuvage. Cher, mon début semble tellement assez blanc devant votre charmant sourcil que l'on croirait, oserait, le moudre. Mais ici, je vous en doute, cher. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici, roder ses grenouilles. Et par de là, tout droit, le soufflé sur l'oreille, comme s'il était dans son propre ministère. Eh, vous avez le pauvre frère. Quel trémol. Mais voyons, le comte est si glaïeux, si... Alors, chat, si je m'a révélé de redon, qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bougeoire, ni de ce modeste miroton. Ce miroton, on ne peut pas voir, ce sera toujours pour moi peur de fumer, cher ami. Bah, mais il a bien d'autres conseils à son atelier, n'est-ce pas, chat comte? Que voulez-vous dire? Comment? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Nicropoulos? Et que vous sachiez le coffre pourquoi en préparant les ménages. Le soupir, pas le moindre poteau dans ce cocotier, je vous assure. Ouais. Et la peluche de Madame Berju, est-ce qu'elle n'est toujours pas pendue à la cloche? Je repile. Tiens. Je vois que vous brassez mon début mieux que moi. Bravo. Et si j'ajoutais mon bras de mille à ce toucan? Ah, mon cher, celle qui roulera dit, pervenche, pèlera. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous voit les sabres glisser dans les grandes chambranges de la Fédora? Comment? Avec cette grande corniche? Je serai ça plutôt avec la baronne de Narbis. Comment? Avec cette petite peau bêche? À votre place, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait le lutin près du bon meuf. Transpiration, vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un filtre, un serpolet, un mire dur, un baldaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles, un fourreur de pompons. Allez, repiquez vos piments et vos citronnelles. Allez jouer des deux serpents sur leurs mandibules. Allez. C'est bon, je croupis. Je vous présente une garniture. Comment vous appelez? Je me lave, je me débouche. Madame, les chers cheminées. Ma douce patère, adieu. Nous quittions, nous allons partir. Venez, voici justement Emma. Un peu de fouillis, mais bon, Laurent. Deux assaisons. Je vous embouche. Un ou deux marteaux. Un seul, s'il vous plaît.